Salut à tous à toutes, c'est Génétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo détente, tranquille. Donc, comme vous avez vu dans le titre, ça paie comme j'allais. Donc, c'est un peu pareil que le match du Charo que j'avais fait sur FUT 15. Je vais le refaire sur FUT 16 aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, regardez ça. Donc, j'allais en BU, normal. Donc, regardez donc cette équipe, une équipe de France, basique. Donc Jallet en attaque avec à ses côtés Ben Arfa et Ntep, milieu Diarra, Tolisso, Diaby, et en défense Debuchy, Zuma, Yanga Mbiwa, Evra, et au goal Stéphane Ruffier. Donc on va pas attendre. L'objectif, c'est de gagner ce match. Donc je suis en division 9, je fais pas de division. C'est de gagner ce match. Donc si on gagne, on a 3 points, et si on a 3 points, on est promu. Donc autant gagner. Et si on peut gagner, autant faire que Jallet marque ou fasse une passe décisive. Je sais pas si vous me suivez. Enfin, moi je me suis compris en tout cas. En bref, Jallet, il faut qu'il fasse soit une passe décisive, soit qu'il marque un but. Ou voilà. Sinon ça, même si on gagne, ça fera comme si on aura perdu. Donc au moins c'est clair. Allez, jouer match, ouais, on n'a pas le temps. Il nous propose une équipe. Oula, y a un bug là. Le derrière, c'est le stade. Une équipe 59 de collectif, 76 de notes. Ouais, Higuaín, Zarate en attaque. Je connais que Rakitic là-dedans. Et Higuaín et Zarate. C'est tout. J'espère qu'il va cap. J'espère qu'il va pas quitter. Et il le serait encore plus avec le titre Allez, bon déjà s'il appuie pas sur A, ça va pas le faire, tu sais. à quelques journées de la fête. Surtout que ma manette elle est cassée, genre mon joystick il veut plus aller vers l'avant, vers en haut. Ou des fois il va tout seul, je sais pas pourquoi. Allez go. Allez, ouais, ça commence. Donc bien entendu je vous mettrai le match pas entier parce que sinon ça fera trop. Je vous mettrai en condensé, ouais par contre. Ça, c'était sur FIFA 15, pas sur FIFA 16. Allez, j'allais. Oh. Oh merde, hors-jeu. Dommage, c'était beau. Il avait fait une fin de frappe, c'était beau. Mais pourquoi il fait que ça? Il croit que ça va rentrer au bout d'un moment? Ça se trouve, ça va rentrer, hein. Je dis ça, mais ça se trouve, ça va rentrer. Après, c'est dommage parce que le joueur en face, il débute, enfin, je pense, avec son équipe. Et du coup, si je gagne, ben, j'aurais pas trop de mérite, quoi. Enfin, ce serait pas trop mérité. Même si Jallet, il est en buteur, ce serait pas. Enfin voilà, face à une équipe comme ça, t'as pas trop de mérite à gagner. Hein. Mais tant qu'il quitte pas, moi je joue. C'est pas moi qui va quitter. Oh! Oh dommage, il était parti. C'est dommage, c'est dommage. Oh. Oh, il lui met un sale tacle. Carton rouge. Ah oui, quand même. Sale tacle par derrière là. C'était violent. Oh. Penalty. Penalty. Pénalty, Jallet qui tire, Jallet qui tire. Attends. 71 de pénalty. Fat, c'est pour toi. Yes! Voilà! Ça fait un 0 but de Jallet. Bon, sur pénalty, on s'en fout. On s'en fout, c'est un but quand même. Yes! Là, je croyais qu'il allait l'arrêter en plus, les gars. Juste en dessous de la barre, c'était magnifique. Puis c'est Jallet qui a provoqué la faute en plus. Donc c'est encore plus magnifique. Ah dommage. Pas assez vite. Non, pas assez rapide. Ah. Bon ben c'est. Waouh, tous les crédits. C'est. On va en refaire un autre, je pense, hein. Combien? 9 minutes? On en refait un. Ouais, mais la division, bah, c'est pas grave.
J'ai gagné la division avec un but de Jalé. Donc, déjà, on peut. La vidéo est réussie. Là, c'est du bonus. Ce que je vais vous proposer, c'est du bonus. Et vous avez vu quand même. Et à chaque fois, vous moquez de ma coupe. Maintenant, je sais comment me coiffer. Alors? Non. Le orange, non, ça m'inspire pas confiance. Ouais, bon, par contre, les scooters et les motos, vous pouvez arrêter de passer, s'il vous plaît? Ah. Voilà. Allez, jouer avec le maillot du Real blanc. Putain, ça va faire beaucoup de vidéos, hein. Enfin, beaucoup de temps de vidéos. Une BPL de tout ce qu'il y a de plus classique avec Mignolet, Terry, les argents, je les connais pas. Darmian ou Darmian, Schneiderlin, Dembélé, Miralas, Walcott et Diouf. On aura un peu plus de mérite si on gagne déjà. Parce que le gars, ça se voit qu'il a construit son équipe, il a bah, il a commencé depuis bah, je sais pas mais en tout cas, il avait les crédits pour. Oh non, c'est bien joué. Christophe Jallet. Oh là là, la petite passe de Jalé qui va peut-être. Eh ben non. J'allais dire qu'il va peut-être se transformer en passe décisive, mais non. A priori, Ntep n'a pas du tout de finition. J'ai pas regardé ses stats encore, je vais aller les voir après, après la vidéo. Cette passe! Cette passe! Cette passe! Ce jeu avec Ben Arfa. Allez, carton rouge! Ce jeu avec Ben Arfa, il était magnifique. Magnifique. Eh, si je le mets. Si je le mets. Ah non. Non. J'ai cru. Mais non. Oh là là, les talents de défenseur. Sors! Oh la frappe! Ah là, j'ai bien aimé. Là, il n'y a plus rien à dire. Jalé, le meilleur joueur. Avec 3 ballons d'or d'affilée. Ah non, mais la frappe qui t'a déclenché. Bon, d'habitude, c'était pas une frappe, ça, mais c'était une feinte de frappe. Et Jalé, il est trop dangereux face au goal. Trop, trop dangereux. Oh non. Oh non, c'était l'action de l'année. C'était l'action de l'année. Il t'a fait un petit truc comme ça là. Après, il a fait un crochet. Ça a cassé le défenseur en deux. Et il y a but. Ah, 1-1 à la mi-temps. Waouh, ouais, on domine largement. Sauf en possession. En possession. Waouh. 50-50. Enfin, quasiment. Mais en tir et en tir cadré, on domine largement. C'est dommage. C'est dommage. Après c'est du bonus. Je suis comme ça, je parle direct. Après c'est du bonus ça. Parce que je vous rappelle qu'on a. Non, bon, ok. Je vous rappelle qu'on a déjà gagné notre match avec un but de Jalé sur sur penalty. Yes! Putain, est-ce que ça compte comme une passe décisive pour Jalé? Je sais pas, on verra ça à la fin du match. Non, je pense pas. Je pense pas parce que le goal il l'a touché, donc non, je pense pas. Yes, on revient 2-2. Putain, hé. Hey. Ben Arfa, il a marqué. Il est avant droit. Ntep, il a marqué, il est avant gauche. Là, il n'y a plus que un joueur à faire marquer. C'est bien sûr le roi. C'est le roi de cet épisode, de cette équipe. Celui qui est défenseur droit, mais qui peut être très bien buteur, goal, milieu, tout, même sur le banc aussi. Ok, 2 minutes de temps additionnel pour faire marquer le petit Jalé. Ou alors, pour lui faire faire une passe décisive. Passe décisive de Jalé! Yes! Yes! Voilà, on l'a mis! La passe décisive et le but! En un épisode! Enfin, en une vidéo quoi! Yes!
frappe décisive de la tête et Ntep qui vient marquer à la 90e pour offrir la victoire. Yes. Yes. Donc on va voir. On va voir déjà si ça a bien compté comme une passe décisive, je pense. Passe décisive, une yes. Une passe décisive de Jallet. Après deux buts de Ntep et un but de Ben Arfa. Et une passe décisive de Ben Arfa aussi. Yes. Un but et une passe décisive dans une même vidéo. En plus, revenir à la 90e et donc marquer pour gagner à la 90e. Ça, c'est du beau jeu. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc les vidéos un peu fun avec quelques petits joueurs ou gros joueurs. Donc je pense faire le Matuidi Charo quand j'aurai les crédits. Le zéro de collectif. Et après, je sais pas. Dites-moi si vous avez des idées. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Je suis trop content. C'était Génétique.